Salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle aventure sur Minecraft en mode hardcore. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On vient de se rater sur une belle session dans la neige qui a duré 3 jours. Tout me mort le troisième jour, mais bon, c'est comme ça, le mode hardcore là, voilà. Et bah écoutez, on va refaire un. Hein, on va refaire un, donc créer un nouveau monde hardcore. Alors, hardcore 02, c'est parti. Let's go. Je lance. Je lance, je lance, je lance, je lance. Vaut mieux y aller avec un bouclier sinon. Bah ouais, mais là, du coup, je partais chercher du fer. Donc, techniquement, oui, j'aurais pu y aller. En fait, je me suis dit, il y a un coffre. Il y a un coffre et il y a un donjon, entre guillemets. Donc, c'est intéressant. Sauf que là, j'avais pas assez. Ah! Ah là, on commence pas trop mal. Ah, c'est un biome quoi? C'est un biome savane? Biome savane, ça? Qu'est-ce que c'est là-bas, des loups? Oh, il y a plein de loups! Est-ce que je peux... Ah, ils ont bouffé un truc. Je peux peut-être récupérer la viande, non? Il y a des tortues! J'y vois des tortues! Est-ce que je peux m'approcher des loups? Bonjour, bonjour! Waouh! Merci, les loups! Trop bien! Trop bien le spawn avec des loups. Ah, j'aime bien. Attendez, c'est peut-être un bon début de game là. C'est un peu comme un roguelike en vrai. Tu te dis, waouh, let's go. Il y a moyen de faire des trucs bien. Qui c'est qui me grogne? Oh, c'est pas moi. Putain, j'ai eu peur qu'il m'attaque. Rassurez-moi, si on les tape pas, les loups, ils nous bouffent pas. Hein. C'est mieux que la neige en tout cas. Ouais, c'est un peu mieux que la neige. C'est un peu mieux que la neige. Biome savane, je connais pas trop en vrai. Je crois que c'est savane. Je suis pas sûr. C'est vraiment des biomes que je connais pas là. Oui, c'est savane. Merci, Naku. Ah, il est trop haut. Oh non. J'irai le chercher après. Merci. Les loups, ils régalent. Hein. Les loups, vous régalez vraiment. Ok, let's go. Alors, paf, 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 paf. Donc là, hop, full bois. Il est joli, jolie couleur du bois en plus. Ok. Et eh ben écoutez, je pense qu'on va... En vrai, d'avoir les loups, est-ce que c'est pas plus mal? Est-ce que la nuit, ils vont me protéger? C'est magnifique le bois orange. Tant mieux si vous aimez bien. Des tortues! Ah, c'est trop bien, j'adore les tortues. Trop, trop bien les tortues. Donc là, déjà, regardez. Hop. Hop là. Ça va farmer direct. Bah ouais, Laine marron. Laine blanche. Waouh, trop bien, je peux déjà. Ok, c'est fort, c'est fort. On va essayer de faire un truc bien. On ira explorer après. Déjà, on se fait une bonne base. Je vais rester près des loups. S'ils peuvent me protéger la nuit des bestioles, zombies, creepers et tout, on n'est pas contre. Part du principe que c'est cool. Non, ils se foutent de toi vu qu'ils sont sauvages. Ok, d'accord. Ok. Il va falloir que je les adopte. Il va falloir que. Oh merde. Que j'en dresse un. Ok, vous inquiétez pas, on aura vite un loup. Ok. Tac, tac, tac. Donc j'ai mon lit. Ce qui serait peut-être intéressant, c'est de farmer du caillasse tout de suite, non? Hop, tac, paf. Pioche. Ok. Donc soyez gentils, les loups. Ah ouais, d'accord. J'ai une prairie pas loin. Oh, j'ai un poulet! Vas-y, meurs. Meurs, poulet. Attends. Oh mais... Putain. Il est en ultra instinct, ce poulet. Ah, j'ai peur qu'un loup saute dessus. Ok, c'est à moi. À moi. Ah mais attends, c'est un mini biome savane. Ah oui. Mais bien sûr. Mais là, oui. Je dis oui. Bonjour.
Bonjour. Mais viens, j'ai compris. Voilà. Va mourir. Je te tape une fois. Je tape deux fois. Non mais il crame. Allez. Allez, on meurt. Chant difficile, j'oubliais. On lançait. Ok. J'ai bien joué, non? Putain, j'ai rien gagné du coup. C'est fou. Que en gros, faut que je le kill pour récupérer l'XP. Je pensais que juste donner un coup, ça suffirait. Mais non. Je récupère le maximum de caillasse. Ok. Mais c'est fou là. Je sais pas pourquoi. Je me sens jugé là. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui me jugent. C'est pas très bien. Au fond de moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de me juger là. Mais genre méchant. Genre en mode, mais non, fais pas ça, t'es trop nul. Tu devrais pas se faire ci comme ça. Tu t'occupes pas des bons trucs. Je me sens jugé. Le jugement est dur. Putain, je vais me péter la gueule là-dedans. Wow, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit, c'est incroyable. Alors c'est beau, j'ai pas envie de me péter la gueule, mais... Y a pas du minerai intéressant? Du style, je sais pas, du charbon? Oh, j'ai peur. Tombe pas, tombe pas. Mais où c'est que je vais, là? En train de ruiner ma game. Oh là là, oh là là. Y a pas de charbon! Le jeu, t'es sérieux? Allez, un bloc de charbon, là. Je sais pas si vous voyez grand-chose. Mais y a pas de charbon. Hein. Le jeu sous ma gueule. C'est pas possible. Juste Alti. Alti, il se fout fort de moi. C'est pas très sympa, ça. Ici, en dessous. J'ai vu, là. Il y a des araignées. Ok, tombe pas. Tombe pas. Fais pas le con. Ok. Bon. Bah écoutez, on va regrimper, hein. Ok. On va remonter. C'est pas le bon endroit pour farmer au début. Par contre, on a de la prairie avec du joli bois aussi. J'aime bien, là. Donc là, il y a moyen de se faire plaisir. Sachant qu'il va vite falloir que je me refasse une petite baraque pour dormir. Ok. J'espère que c'est juste pas tombé sur un creeper. Pour l'instant, j'en ai pas vu. Ok. Les rosiers. Oh, un village! Trop bien. Village, 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 village. Je ne sais même plus où je suis. Je sais même plus où j'habite. Village. En vrai, débuter dans un village, c'est pas mal. Mais je trouve que c'est trop simple, en vrai. Mais dans un sens. Après, village, ça veut dire aussi se faire attaquer par des bandits, hein. Donc, ouais, c'est pas si simple. Les bandits en difficile, ça doit être quelque chose, non? Je sais pas. Oh, ils ont des ressources. On va dire, eh, mais c'est cadeau cette game là, c'est fou. J'ai envie de me mettre près des loups. Ça charge. J'ai envie de me mettre près des loups. Ok, bon, là je laisse tranquille. Il y a des chevaux en plus, quoi. Il y a la totale. Faut qu'ils survivent, hein. Il faut que je les protège. Ah putain, le boulot qu'il y a à faire. Je suis en train de me rendre compte le boulot qu'il y a à faire. Sinon, je m'installe au village. Genre, je fais une petite baraque et tout. Je m'installe au village et on part du principe qu'il faut que je construise autour, quoi. Mais ah, ça va être monstrueusement compliqué. Après, j'ai un golem en plus. Golem, c'est cool, hein. Ah, des chats anti-creeper. Mais oui, bah, c'est à total. Bah oui, il faut penser à tout ça. Le placement, c'est le plus important. Bibliothèque, trop bien. C'est-à-dire que j'ai pas mal de métiers, là, déjà. J'ai un jardinier, j'ai un bibliothécaire. Ok. Question. Est-ce que j'ai un coffre avec un peu de loot, genre de la boue, des trucs comme ça? Genre, qu'est-ce que je peux lui acheter au bibliothécaire? C'est lui le bibliothécaire, non? C'est qui lui? Non? Inventaire. De la peau. 6 peaux, une émeraude. Ok. Tunique de cuir. Ok. Ouais, mais alors, est-ce que vous voulez vivre avec ce bruit-là continuel? Ah, mais vraiment, vous venez voir ma bouffe là? Oh, ils sont chauds. Ça va être chiant ça. Hein. C'est le problème.
Les chats de village te craignent, ils s'enfuient quand tu t'approches. Ok. J'en reste une fleur quand même dans le coffre. Je suis sympa. Je suis un gars comme ça. Moi, je suis un mec, j'ai la main sur le cœur. Moi, en vrai, je me dis que ça peut être pas mal de s'installer là. Il y a tout. Il y a tout. J'ai de la bouffe. J'ai de la protection. J'ai un forgeron. Il y a un forgeron? Forgeron. Ah bon. Ok, il y a moyen de faire un truc bien. Il y a moyen de faire un truc bien. Ouais, il y a moyen d'être vegan en plus. Ouais, je reste une patate quand même. Mais non, mais c'est bien, non? Allez, vas-y, je m'installe ici. Bon, j'ai perdu un lit au début. Ça me fait un point de spawn, vous me direz. Ok, par contre, il y a une grotte ici. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce qu'il y a un accès? Ce qu'on va faire pour l'instant, ça va être comme ça. Juste pour fermer un peu mieux. Ah ouais, mais attends. Va falloir que je me mette bien. On va creuser, on va se mettre ici. On va se faire une baraque. On va se faire une baraque. Le but étant de se mettre bien. Il y a du charbon. Je lance une partie, je pop sur le bord d'une falaise. Ah, dommage. Eh, bon, on va simplifier les choses, hein. On utilise le village. Vu ma game d'avant, autant faire une chose simple. C'est moi, il veut faire nuit là. Merde, il va faire nuit. Alors attendez. Ok, paf, 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 paf. Bon, déjà, dans un premier temps, on va faire comme ça. Ouais. Hop, tac, tac. Voilà. Petite light. Petite light tranquille. On va y arriver. On va se faire un truc bien. On va farmer. Au début. On va essayer de se faire un semblant de base. Semblant de trou. Où on est bien. Ok. Tac, tac. On peut faire. Tac. On va faire deux fours. Deux fours. Avec ça, on peut faire un coffre. Merde, il manque un bout de laine. Ah non, il a. Ah merde, ça marche pas. Oui, ça marche pas. Pour la même laine. Bon, je me ferai un lit demain. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok, alright. Ça, c'est bon. On peut faire ça. On peut faire ça. Ok. Ok, ça redonne un peu de vie. Coffre. On va creuser un peu, hein. Si je vais vous donner envie de rejouer à Minecraft, ça se trouve, tout le monde va se dire, ah vas-y, ça me donne envie, je me relance une game, ça fait plaisir. Faites-vous plaisir. Pas d'eau de charbon, rien du tout. C'est pas grave, écoutez, hein, on farm. Mais oui, le chat, vas-y, protège-moi des creepers, tu as bien raison. Couche combien là? Je suis couche 65. On va essayer de faire une descente, hein. Début de mine et tout. De toute façon, autant chercher la mine, hein. Ça, c'est bon, ça. Tac, tac, tac. Ah oui, le coffre. Alors, déjà, on va poser ça, ça, ça. Hop, j'ai du mouton cuit. Ça, je crois que je le crame. La chair putréfiée, on va la garder. Parce que je sais qu'avec l'alchimie, on peut faire des trucs plus tard.
Le bâton, garde les cailloux. Bah ça, j'en ai ramené plein. Terre, laine, bois. Je vais garder ce bois-là. Laine blanche, andésite. Andésite, je la mets là. Le poulet, je le mets là. Ok, nice. Ah, attendez. Ça brûle encore, autant utiliser les flammes qui restent. Let's go! Bah voilà, hop, on commence à miner. Qu'est-ce qu'on trouve? Du charbon. Non mais je descends, il y a Enderman. Je vais peut-être faire Alt F4 en fait. Ah, il y a des games des fois, regarde, il y a des games, tu commences mal, hein. Je me sens grave en sécurité ici. Ah, le village à côté, ça aide. Les loups, le village, la bouffe, j'ai commencé le jeu là. Tout à l'heure, on était dans la neige, j'avais rien. Là, c'est plutôt clean. C'est plutôt clean, hein. Ok, alright. Puis on est loin des villageois, on n'entend pas leur continuel, donc ça c'est pas mal. Moi je fais des grosses galeries. Les grosses galeries. Hop, tac. Continue. Moi, je suis tellement chiant avec mes galeries que je fais souvent comme ça, et ensuite je viens poser des escaliers. Comme ça, ils montent tout seuls, le perso. Comme quoi, je suis un vieux joueur Minecraft. Hein. Je crois que ça se fait plus comme ça. Hein. Les joueurs, ils jouent plus comme ça. Une araignée. Que je reparte faire des pioches. Nihi, plus de pioches. Ok, c'est pas grave. Hop. Et je vais en mettre une ici. Un peu de light. Ok, alright. Donc là. Pioche, 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 pioche. C'est parti, on y retourne. Alors vous avez peut-être un effet un peu bizarre, mais en gros j'ai un FOV à 90, donc c'est peut-être pour ça. Donc en gros, ça fait on a l'impression que c'est un grand angle, ma caméra. Mais normalement c'est assez lisible quand même pour tout le monde. Passer les distances, ça peut perturber un peu. C'est pas la partie la plus passionnante. Hein. Le minage. Et on soit franc entre nous. Hein. Non mais franchement. Ok, du cuivre. Hop là. Assez de light, yes. Yes, yes, yes. C'est du fer que j'aimerais bien, là. Comme ça, je me fais une armée de golems de fer qui me suivent. Dommage qu'ils suivent pas en vrai. Il se trouve, il y a des mods qui pourraient me permettre de faire en sorte qu'ils me suivent. Charbon. Beau petit filon là, ça fait plaisir. T'as le cul.
cuivre. Mais le cuivre, il y en a des tonnes en vrai. Hop. Ok. Je vais devoir bientôt refaire une pioche. J'ai un portail du Nether au spawn. Ah putain, la vache, ouais, vraiment, vous êtes tous remis à jouer. Ah, il y a une grotte là. Il y a une grotte. Ok. Blablabla. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la grotte là? Il y a des trucs ou pas? J'ai pas l'impression. Bon, pour l'instant, on va fermer comme ça. Non, je vois rien. Il y a beaucoup d'eau ici. Ah bah décidément. Je sais où trouver de l'eau. Hein. Bon. Je termine quand même ma pioche avant d'aller refaire une. Non, elle fait un sacré trou. Hein. Yeah. En fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression que là, je vous ai tous redonné envie de rejouer à Minecraft. Pour ceux qui aiment le jeu. Si c'est le cas, vous pouvez le dire. Il fait jour! Tant mieux. Alors, ta. Non, ça. Je split. Je récupère des patates. Quoique, planter des patates au début, ça pourrait être bien avant de les cuire. J'ai de la viande en vrai. Faut pas que je me précipite trop. Ok, j'ai un peu de poulet. Est-ce que j'ai... je peux faire... oui. Faire des blocs de cuivre. Ça fera de l'XP. Let's go. Donc là, il me faut des bâtons. Right. Je vais me faire, du coup, une pioche. Tac. Je vais me faire une pelle. Tac. Une épée. Une hache. Ou c'est pas bon, ça, ce que j'ai entendu. On est d'accord. On est d'accord, c'est pas bon du tout, ce que j'ai entendu. Une jolie porte. Parfait. C'est ça qu'on veut. Hop. Les patates, on va laisser là pour l'instant. Alright. On ferme. Ça, c'est chez moi. J'ai mon trou. très bien. Alors, ce qu'on va faire pour essayer de repérer un peu au loin. Ouais, j'ai des vaches, j'ai plein de trucs là. Trop bien. Trop bien. On est bien. Alright. Let's go. Parlons. Du cuir. Donnez-moi du cuir. Les bébés, on ne touche pas. Ça grandit, ça. Du cuir. On va laisser tranquille pour l'instant. Il y en a pas mal, des vaches, en vrai. Hein. Je vais voir jusque là-bas. Et même des cochons. Des porcs. Hop là. 6 cuirs, ok. Qu'est-ce que c'est là-bas? Des chevaux blancs? Des chevaux blancs. Des chevaux. J'ai grave envie de rejouer à des jeux avec toi. Bah en vrai, d'un coup, on pourrait tenter de se refaire un petit serveur Minecraft. Hein. Il me semble que j'ai toujours le mien. Citrouille.
Putain, mes citrouilles. C'est vrai, tout à l'heure j'avais commencé à faire pousser des citrouilles. Bah du coup, elles sont mortes, mes citrouilles, dans mon autre partie. Effectivement, tarte aux citrouilles. Alors. Je découvre un peu les lieux en même temps, hein, j'en profite. Alright. C'est plutôt joli. Il y a moyen de faire du verre. Ta 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 ta. Il y a des grottes. Ok. C'est le village là qu'on voit de là? En vrai, il est pas si loin là de moi. Tiens. Les poulets, je les tue pour récupérer peut-être un peu de plumes. Après, il faudrait que je fasse vite quelque chose. Un perroquet! Bah oui, on est dans un biome jungle maintenant. Putain, la vache. C'est quoi cette map de fou? C'est vraiment une map de fou. Hop là. Du cacao. On va faire des cookies. Bon, les cookies, ça rapporte rien. C'est pas intéressant. Aïe! Je suis mort. Non. J'ai pris des dégâts de chute. Pareil, la pêche. Faut que je pêche. Oh, il y a plein de trucs. J'ai envie de faire 15 000 trucs là. Ne vous inquiétez pas, on va trouver notre bonheur. On arrivera à faire des trucs cool. Ok. Les bambous, je sais plus, c'est intéressant ou pas les bambous? Je sais plus. Pastèque. On va trouver des oslo ici aussi. Tellement de trucs, je suis du père. Regardez, il y a un perroquet rouge là. Lui aussi, il est grave cool. Donne-moi du bois. Attends, je suis entre un biome savane, prairie, plus jungle. Il ne manquerait plus qu'il y ait un biome montagne à côté de ouf. On aurait presque le quatuor parfait, quoi. Ok, je récupère un peu de bois, vite fait. Ah merde! Pas le bon côté. Jamais creuser en dessous, jamais creuser en dessous, jamais creuser en dessous. Alright, ça c'est good. Ok, je vois mon petit repère de bouse là. Ma plus grande peur là actuellement, c'est genre je suis en train de taper du bois, de l'autre côté je vois un creeper. De toute façon, il s'annoncera avant. Il dira coucou. I am the creeper. Du coup, je ferai. Oh non, et je suis mort. Sûrement comme ça que ça va se passer, mais. Ne soyons pas défaitistes. Bon les gars, ça va pas du tout le village, hein. Va falloir mieux protéger que ça, va falloir virer des trucs. Oui bah oui, vous plaignez pas en plus. Qu'est-ce qu'on a ici? On peut pêcher. Oh, il y a du poisson là. Ok, il y a des blocs de lave en dessous. Est-ce que t'as de la betterave? T'as des carottes là, non? Des carottes! Trop bien les carottes. Ok, des carottes. C'est quoi ça? C'est de la patate ça. Patate. Ah, voilà, j'ai juste niqué le champ. Ok. Ok. Coucou le golem. C'est là que j'arrivais tout à l'heure. Et ben, on va se faire un truc dans ma base, je pense, hein. On va tenter un truc. Bon, le top, c'est que je continue mon trou. En fait, j'ai une belle montagne là-bas. Faudra que je la. On s'en occupera. On s'en occupera. Et vous, ça. Les gars, ça vous dérange pas d'avoir ça qui coule dans tout le village? Ok. Bon, pour l'instant, c'est canalisé. Alright.
Ok. On va faire un truc un peu moche. Mais le but, c'est repérer ma maison. Enfin, mon début de base. Hop, j'ai ma porte. Après, ça va dégager. Il m'a pris 15 ans à le casser. Nice. Qu'est-ce qui se plaigne? Attendez, ça va pas du tout. J'aime bien avoir une belle entrée, mais là l'entrée ne me plaît pas du tout. Oui, je m'installe ici, ça vous dérange? Ici, je suis chez moi. Je suis arrivé, je me suis imposé à eux. Et maintenant, c'est chez moi ici. Faire nuit. Ah merde, le lit. C'est vrai, j'ai oublié le lit, putain. Faudrait vraiment que je m'en occupe par contre. C'est pas ce que je veux. Eh ben, tu veux pas me mettre les torches là? Dis donc. Alright. Donc là, je suis bien. J'ai de la bouffe, j'ai de la peau, j'ai des carottes, des patates. Dans l'ordre, ce qui serait intéressant, c'est de refaire quelques torches. Ouais, on va faire ça. Donc déjà, on fait des torches. Faudrait que je surveille aussi. Il faudrait que je fasse en sorte qu'il n'y ait pas de monstres qui apparaissent et qui remontent là. Ici, donc j'ai des torches. J'ai une porte. Donc ce qu'on peut faire, c'est une sorte de fausse entrée. Je sais pas trop comment je vais faire encore. Bon, pour l'instant, ça m'a l'air safe, donc on va en profiter. On se remet bien, de la vie. Donc ça, je range, ça, je range, ça, je range. Enfin, je range. J'appelle ça, je jette tout dans le coffre et après, on verra. On verra après, ok? Tac, tac. C'est pas ce que je veux faire. Tac, tac. Hop. All right. J'ai des outils, j'ai de quoi faire un petit peu, j'ai du bois, j'ai des citrouilles. Pareil, ça aussi, il va falloir que je m'en occupe. Ok, c'est un bordel. Mais vous inquiétez pas, c'est mon bordel, je m'y retrouverai. Donc on descend. On continue. Le but étant toujours de trouver. Eh merde. Alors l'eau, j'ai trouvé. L'eau, j'ai trouvé, il n'y a pas de souci. Du fer. Je sais même pas où j'en suis. Je suis 40 là. Eh ben, on a encore un peu de chemin, hein. Je voulais ça plus rapide. Après, faire deux par deux, ça aide pas, hein. Mais faire deux par deux, en soi, c'est comme Franklin, ça aide sur pas mal de trucs. Déjà, le fait de mieux découvrir son trou, sa mine. Il faut que j'éclaire vite là. Et objectif aussi, trouver de quoi faire un lit. Hop. Tac. Ah, attendez. Juste après, on prend une petite pause. Ne vous inquiétez pas. C'est calme, hein?
Par contre, ouais, niveau live, c'est calme. Pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Quand on creuse comme ça sera plus intéressant quand on fera des gros trucs PvE, genre bah, le Nether. Le Nether, c'est un truc. Moi, ça m'angoisse. J'ai jamais su me repérer dans le Nether. Ça m'a toujours impressionné, les joueurs qui te font ouais, mais en fait, c'est le chemin normal. Regarde, tu fais à là, machin et tout, tu retrouves l'autre. Non, non, moi, ça marche pas. En vrai, il va peut-être falloir que je me crée une partie à côté. Peut-être en créatif ou en normal, juste pour réapprendre des bases du jeu, quoi. Les débuts, c'est toujours lent. Ouais, j'avoue. J'avoue, j'avoue. Puis au début, c'est toujours pareil, hein. La moindre ressource nouvelle, genre le fer, quand je vais en trouver et que je vais faire waouh! Ma pioche en fer, elle est incroyable et tout. Ah! Le Never a beaucoup changé depuis que tu y as joué. Ouais, je pense, hein. On verra bien, hein. On verra bien. Bon, déjà. On avance bien. Hop, pause, j'arrive. Let's go, on reprend. Ok. Je vérifie que le record s'est bien relancé. Yes, il fait toujours nuit. J'ai plus de pioche. C'est pas grave, on va refaire une. Quelques bâtons avec moi. Hop, tac. Je peux refaire. Je peux refaire combien des pioches? Je vais en faire deux, comme ça je serai moins emmerdé. Hop, une pioche de secours. C'est vrai, je peux me faire du stuff en cuir là. Bon, il n'y a pas d'intérêt. Let's go, on y retourne. Pas de soucis, t'inquiète. Non, mais je sais que ça peut être chiant des fois, mais là, il fallait absolument que je réponde pour le taf. Donc, désolé. Et pour la petite coupure. Techniquement, en plus, je pouvais même pas faire en sorte de continuer à bosser et dire bah, je creuse. Je suis Gwenzé. C'est une cave là. Attendez. Attendez, 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 attendez. Alors là. Là, c'est les trucs que j'aime pas parce que tu creuses d'une certaine façon et tu te retrouves face à un trou. Il y a quelque chose en dessous. Oh, il y a du monde en dessous, non? Ah, il y a du monde, il y a clairement du monde en dessous. Oh, le fumier, il m'a vu. Ah ouais, mais non, mais c'est chaud là. Bon, ok. Bon, pour l'instant, on n'y va pas ici. Ici, on n'y va pas. Voilà, je laisse une light. Hop, tac. On va reprendre un peu sur le teco, et puis voilà. Ah, mais j'ai le chic, moi, pour trouver toujours les pires endroits. Ok. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Il y a beaucoup d'eau qui coule. Mais en fait, je suis en train de me dire, avant, on creusait jusqu'en couche 12, un truc comme ça, pour avoir du diamant, du fer, des choses comme ça, non? Mais avec les nouveaux biomes, c'est combien maintenant? C'est toujours pareil ou c'est beaucoup plus profond? Si je suis en train de réaliser là, si je dois faire. Oh putain, du fer! Yes! Du fer, du fer, du fer! Si je suis en train de réaliser si je dois faire 200 blocs pour avoir du diamant, ça va être chaud, non? Je crois que tu as. Tu as toujours cette règle des 12 couches, mais plus tu descends, plus tu en as. Ah, d'accord, ok. Intéressant. Ça, c'est vraiment cool. Genre, t'arrives. C'est comment qu'on appelle le fond? C'est la bedrock? Non, je sais plus comment ça s'appelle. Mais je suis pas sûr. Non, mais t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. On va faire un point distance là. On en est où nous? On en est où? On est couche 17. Couche 17, ça descend pas mal déjà.
Sachant qu'en plus, je sais, parce que je l'ai vu en vidéo, que maintenant il y a le Warden, ils appellent ça. Et alors lui, il me fait flipper. Alors déjà que j'étais pas à l'aise dans les mines, ça me jamais. De toute façon, c'est pour ça que je mets plus la musique dans Minecraft déjà. Parce que alors moi, ça m'angoisse. Ça m'angoisse. J'ai trop de souvenirs de sessions où je joue, il est 2 h du matin, et là, ma pioche elle casse. Voilà, ce genre de truc, le son à fond. Ou à plus à l'époque, il y avait une rumeur que Notch avait lancée. Alors je sais pas que, si vous en souvenez pour les anciens sur PC ou c'était en je date ouais 2012 de mémoire. Notch, le créateur du jeu, avait dit ouais mais vous savez il y a un truc que vous n'avez pas encore découvert dans le jeu et tout. Et du coup il y avait plein de suppositions. En plus c'était un peu la méta des vous savez des monstres SCP là. Du coup, les gens se disaient, ouais, ça se trouve, il a mis un gros truc géant. Notch, il a parlé de ver à un moment. Ça se trouve, c'est un ver de terre géant qui peut te bouffer. Après, il ne spawn que dans des zones particulières. Oui, le Warden, oui, je sais. C'est des zones où il ne faut pas faire de bruit. D'après ce que j'ai compris. Mais le truc, c'est que. Il me semble que j'avais suivi un peu. Oh, putain, Enderman, ça fait plus trop peur. Normalement, l'Enderman, je la garde pas, c'est bon. L'Enderman, on se regarde pas. Je suis couche combien? En vrai, moi, je suis presque à couche 12. Je suis couche 8. Ah, bah, je suis bien là. Let's go. Ok. 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 À partir de là, on va plus creuser en profondeur. Pour l'instant, on va faire une base classique. Ouh, ça. Oui, il y a du monde là derrière. On va les voir. Hein. Alright, let's go. Le truc, c'est que tu sais jamais trop à quoi t'attendre. À ma droite, il y a quelque chose, clairement. Faut écouter les sons. Et là, faut que je fasse gaffe parce que justement, faut bien light. Parce que moi, les spawns comme ça, c'est là que je me suis fait avoir et dans le dos, il y a un slime, un machin. Bon, on va déjà faire un tout droit dans un premier temps. C'est un donjon ici ou quoi? Mais c'est pas les trucs de merde ça. Quand je les casse, il y a des silverfish, je sais pas quoi. Non, c'est des nouvelles briques ça. Je sais plus. J'aime pas les silverfish en plus. Mais je crois que si c'est silverfish, ça repop. Pour l'instant, je fais un tout droit, hein, mais j'ai la pioche qui va casser. Elle a cassé. Alright. J'ai fait des pioches. Là, j'ai fait des pioches. Plus le temps de niaiser. Ce sont juste des pierres qui se trouvent au niveau des couches. Au niveau de ces couches et en dessous. Ok, d'accord. Il n'y a rien de particulier, c'est pas un donjon ou quoi que ce soit. C'est bien d'avoir des pros Minecraft dans le chat. Ah, du fer. Ça, j'aime bien le faire. Ouh, il y a de la stalactite là, hein? Attendez. Là, c'est stalactite. Je crois que c'est ça.
Bloc de spéléothème. Ok. Merde. Ok. Hop là. On continue. Oh, c'est vite dit. Hein. Bah, toi, t'as des connaissances. Bon, on est d'accord, ça marche toujours le côté je pose mes torches que à droite ou à gauche. Là, c'est toujours intéressant de faire ça. On va me dire, ouais, non, en fait, il y a un nouvel outil qui vient de sortir. T'as plus besoin de ça. C'est de la déco, je le sais. Mais écoutez, on fera de la déco, hein. Ah, pour un mode hardcore, je trouve que ma vie elle descend pas trop vite, donc c'est bien. Et puis quand ça sera cuit, tout ça va faire. Comment dire? Ça va faire d'XP, il me semble. Un peu comme le charbon. Merde. Tac. Oh, du lapis lazuli! Ça, je connais ça. Là, c'est bon, ça. Attendez, lapis lazuli, c'est quoi? C'est pioche de pierre ou pioche de fer obligatoire? C'est pas pioche de fer obligatoire? Parce que, en vrai, c'est pareil, je trouve du diamant, là. Je suis obligé de trouver du fer. Pas pioche de fer. Pierre mini. Pierre mini? Ok. Donc, je vais pouvoir prendre le lapis, là. Effectivement, effectivement. Tu avais bien raison. Hop là, c'est toujours ça de pris. On continue. Les petits sons Minecraft qui font plaisir, toujours un peu flippé. En vrai, c'est limite jeu d'horreur quand même quand ils pensent, hein. Dans les caves et tout. C'est vrai, non? Moi, je trouve que ça fait un peu limite jeu d'horreur. Je suis peut-être un peu extrême sur mes propos, mais je trouve. Oh. Ah, bonjour. Alors attends. C'est deux blocs max, hein, normalement. Ouais, je le défoncerai jamais assez, par contre. Ok, ça creuse en dessous. Coucou l'Ender. Je sais pas s'il est méchant du coup en hardcore ou pas. Je pense pas, hein. Je pense que t'as les mêmes caractéristiques que d'habitude, non? On est d'accord. Bon, lui, il va me faire chier, en fait. Bon, on va se casser ailleurs alors, du coup. De toute façon, trop, deux, il peut pas. Hein. Il peut pas rentrer dans du 2 normalement. Donc, je suis sécure. Je suis sécure. Oh, décidément. Attendez. Tatatam, tatatam. Je trouve. Je te trouve extrême dans tes propos, je suis choqué. Ah, mais je déteste les jeux d'horreur et du coup. Alors, ça me fait délirer. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de Dooms aujourd'hui. Du coup, sur les châteaux et tout. Donc, vraiment, hein, comme elle le dit dans le concept et tout, le but c'était de ne pas avoir peur et de découvrir un truc un peu stylé et tout machin. Et je sais pas si vous l'avez vu. Après, si vous l'avez pas vu, j'ai pas trop envie de spoiler non plus la vidéo. En vrai, elle est grave cool. Allez la voir, elle se regarde bien. Mais après, c'est la première à jouer à des jeux d'horreur et regarder des films d'horreur. Pas vu. Je vous invite vraiment à aller la voir, elle est grave cool. Je suis content, on a trouvé un beau château. Donc, je passe spoil vu qu'il y a des pas vus. Donc, si pas vu, je dis rien. Mais du coup, je vous invite vraiment. Et on en reparlera quand vous l'aurez vu. Allez, à un moment, tu vas me donner un beau filon de fer, non? Parce que c'est pareil, il y a tellement de blocs nouveaux maintenant que avant c'était genre c'était fer, l'or c'était ultra rare, le diamant c'était ultra rare.
Le cuivre, je connais pas assez. Si t'avais pas lancé à 19h30 ton live, oui. Après, tu peux la regarder à côté, hein. Là, je suis en mode farm. Ça va pas être très intéressant. Hein. Bon. J'ai combien de fer là? 14 seulement? Bon, c'est déjà bien, ouais, 14. C'est déjà bien. On va essayer de miner un peu plus. On va faire des doubles blocs et puis on va taper en ligne. Genre là, voilà, c'est exactement ce que je veux. Plein de fer, plein de fer. Je joue à côté, monsieur. D'accord. Tout le monde a lancé Minecraft. Tout le monde est dans ses galères, là. J'ai gueulé deux fois à cause d'un squelette et d'une araignée. Est-ce qu'ils t'ont tapé ou ils t'ont fait peur? J'ai l'impression que ça se rapproche de moi. Alors que pas du tout, en fait, mais... Non, ils sont derrière. Là, je suis sur Jouve, il y a derrière, là. C'est une caverne et tout, ça va être hyper chaud. Faut juste que je me fasse pas avoir. Les deux, d'accord, ils t'ont fait peur, ils t'ont tapé. Hop, donne-moi le charbon. Voyons, sacré filon. Ça s'arrête plus, mais je vais creuser jusqu'où comme ça? Il y a du fer en plus, bah non. Ça, c'est du bon filon, on aime bien ça. Au moins, il y a la règle de pas creuser au-dessus de soi aussi. C'est comme creuser en dessous de soi. Ça, normalement, je pense que c'est toujours acté. Je referme un minimum. Voilà, j'aime pas quand il y a des trous qui. Déjà que là, aucune gueule, ma mine, là, actuellement. Oh là là, j'ai là, vous savez de quoi je rêve? Une table d'enchantement. Avec des gros enchantements. Où je mets un coup, ça en enlève trois presque. On y arrivera, bien sûr. J'espère. Je rappelle qu'on est en hardcore. Même si ça se voit pas, ça va être galère au début. En vrai, je pourrais rajouter un peu de musique, hein. C'est ce que je vais faire. Pas la musique du jeu, attendez. Pas la musique du jeu. Bah si, mais... Lena Raine. Lena Raine, celle qui a fait les musiques de Celeste et de Minecraft Nether Update. Bah tiens, on va se mettre la Nether Update pour écouter un peu l'album. Disponible sur Spotify, bien sûr. Donc vous aurez un fond musical. Ah oui, peut-être faut que je remette le jeu. Non, vous aurez ma tête. Comme ça, je pourrais dire, waouh, ça y est, j'ai tombé l'Ender Dragon, trop fort. Record du monde. Hardcore. Donc, par exemple, il y a vidéo du maître, là. Le maître sur YouTube. Où lui, je sais plus à combien de jours il en est, il est pas mort et tout. Enfin, il a failli mourir deux, trois fois. Mais il a trouvé des totems. Il a bien géré ses totems. Et je suis en train de me rendre compte, putain, c'est vrai que c'est long. Hein. Enregistrer 100 jours de gameplay, les compiler propres, pour que ce soit intéressant à regarder. Si vous connaissez pas, allez voir la chaîne de. Je crois que c'est Le Maître, il s'appelle tout bonnement. Le Maître sur Minecraft. Même sur Stardew Valley, il a fait et tout. Il fait que des séries comme ça. C'est vachement bien, je trouve. Ça se regarde vachement bien. Lapis lazuli!
poissons et diamants. Les seuls moments où j'en trouve facilement, moi, c'est pas en creusant comme ça. C'est en allant dans les zones où il y a de la lave. N'hésitez pas à me dire si c'est trop fort. Hein. Ouais, c'était cool quand tu m'avais montré. Ah ouais, ça c'était bien ça. Le maître, j'aime bien. Ok, on va faire une pause ici, là. On va déjà remonter un peu tout ce que j'ai. Et on va essayer d'optimiser. On a un début de mine protégé pour l'instant. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Ok, parfait. Au pire, ce qu'on va faire... C'est un lit qu'il faut que je me fasse. Parce que là, je vais me faire bouffer par les fantômes, non ? Il y a des cuivres, là. Bon, je le prendrai après. Encore du cuivre. Ok. Fais comment dehors ? Fait tout nuit. Ok. Bon, alors là, j'ai du charbon, par contre. Ah non, pas tant que ça, en fait. Ah, je pensais que j'avais plus de charbon que ça. J'ai 32 fer. 32 fer, c'est pas déconnant. Hop là, plein d'XP. Ah ouais, du cuivre, on peut en faire. On va s'amuser à faire des trucs en cuir. Ça fait beaucoup de pierres. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Du bois. Ça. Lapis lazuli, on va le ranger. J'ai trop de trucs, il va falloir que... Ouais, attendez. Redonne-moi du bois. Il faut que je fasse des coffres. Je dois faire absolument des coffres. Voilà. Alright, maintenant. Du caillou, ça y en a. Ça, du caillasse, on en a. Hein. Comme ça, j'aurais un peu plus... un peu mieux rangé, entre guillemets. C'est pas la folie non plus, mais bon, c'est toujours ça. Après, il faudrait que je fasse un tonneau. Ça, je le prends. Ça, je le laisse. Les consommables, on les met là. Tac, tac. Ça, pareil. Hop, ok. Donc là, on va mettre le cuivre. Tout ce qui est reste de pierre, du coup, on va le mettre ici. La laine, on la met là. Écoutez, on range un peu comme on peut. On range un peu comme on peut. Ouais, hop, ça, comme ça. Le bois qui reste, on peut le mettre là. Ça, on peut le garder avec nous. Ça, on peut le ranger là. Les bâtons, on les garde ici. Le poulet, on le garde là. Le jour se lève toujours pas, ok. Bon, alors, pas mal de lingots. Ça, ça va être cool. De toute façon, on va se faire un stuff. Hein. Donc déjà, un torse. Des jambes. Il en reste un, là. Donc alors... Jambes. On dirait moi, hein. J'ai bien choisi mon perso. Il a un peu plus de barbe. Enfin, je vous laisse pousser la barbe pour être raccord avec mon personnage. Du fer. Je pourrais me faire une pioche en vrai. Hein. Pioche de fer. Et bim. Ça, c'est beau, ça. Donc, faut que je me fasse des bottes. Donc, il me faut 4 et 5
encore 9 de fer pour faire le stuff complet. Et on sera bien. Ah, je peux cra... Attends, je peux cra... Quand je crafte la pioche comme ça, la roche. Il m'en faut 4 comme ça. Non, je regarde ce qui est possible de faire ou non. Bon, pour l'instant, j'ai pas assez de charbon pour cramer ce que je veux, mais le jour se lève. Les bottes. Encore un. Ça va, le bouclier aussi. Je sais plus comment on fait un bouclier. Comment on fait un bouclier? Je sais plus. Comment on fait le shield? C'est en anglais? Non. C'est pas du bois comme un coffre et au milieu je mets le. Je crois que c'est ça. Et au milieu je mets le fer. Je crois que c'est ça. Voyons voir si ça marche. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Je sais plus comment on fait le shield. Ok. Alright. Bonsoir Nevix, comment tu vas? Comment vas-tu, Nevix? Ça, je peux essayer là, ou pire, ça dépannera si besoin. Ça va et toi? Ça va, ça va. On est tranquille sur Minecraft. Je sais pas si le son du jeu est trop fort. J'ai l'impression que ça va, sinon les gens me l'auraient dit. Parce que ça monte un peu. Hein. Ok, let's go. Donc là, faut que je me trouve de quoi me faire un lit quand même. J'aime bien cette musique. Le cheval, le golem, il a l'air de bien nous protéger. Trouver des moutons. La musique est un peu fort. Un poil fort. Ah! Ah! Merci. Je m'en occupe. Comme ça? Bon, j'ai beaucoup baissé, mais c'est bien. Même si elle est cool. Ouais, la musique, c'est Rubedo de Lena Raine. Donc, c'est les musiques de Minecraft pour la mise à jour du Nether. Pour information. Voilà. Si vous cherchez. On continue. Bon, YouTube, j'espère que ça va pour toi encore. Hein. Déjà 1 heure que de record. On n'est pas mort. Je sais plus quel jour on est. Tout ce que je sais, c'est qu'on cherche du mouton. Pour faire quoi? Faire quoi? Regardez, du mouton pour faire un lit. Parce que là, il va nous falloir. Regardez, parfait. Donne-moi ce que je veux. Hop là. Désolé, les moutons, de vous foutre en l'air comme ça, mais j'ai besoin d'un lit pour chez moi. Bon, sachant que pour l'instant, ça va être dans la cave, mais par la suite, le but, ce sera de faire une belle baraque. Hein. Donc c'est pour ça, farmer, farmons. En espérant que le village survive. Le but, c'est que j'encercle le village. Que le village, on en fasse un truc au petit pour que tout fonctionne. On va essayer de faire un truc bien. Hein. On va essayer de faire un truc bien. Et comme ça, vous aurez un live régulier de temps en temps où c'est plus moins on meurt sur le hardcore, plus on continue, quoi. Donc ça serait très très bien. Du bois. Tic. De la laine, un lit. Incroyable. Wallplay. Donc pour l'instant, ça va être là. J'aime bien cette artiste. Elle a succédé à C418 et j'aime beaucoup sa patte. Sa patte. Ouais, non, elle est cool. Elle est grave cool. J'ai découvert grâce à. Pas Minecraft en soi. J'ai découvert grâce à Mister MV qui l'a partagé un coup.
Et du coup, je suis grave content parce que c'est vrai qu'elle est cool. Is my bed. This my bed. Comme j'ai peur dans le noir. Hop là. Ok. Donc une bonne chose de faite. J'ai dépiogé de la bouffe. La bouffe. Ok. On devrait se faire un champ. Je pense que ce serait pas mal de se faire un vrai champ là. Après, il y avait la zone là-bas que j'avais envie de fouiller aussi. Il y a plein de trucs que j'ai envie de fouiller. On pourrait se faire un champ. Ça pourrait être intéressant. Ça c'est bon. Hop, je vais mettre les haches là pour l'instant. Là. Bon, pour l'instant ça va être comme ça. Ok. Le but étant de faire une belle surface plane ici. Alright. Bon, je dénature un peu la gueule de la montagne, mais c'est pour faire de beaux trucs. On va essayer de faire des beaux trucs. Et puis comme ça, moi, ça me fait une sorte de tour de repère aussi pour rapport à ma baraque. Hop. Hop là. Sachant que le top, ça serait aussi que j'ai des vaches, enfin j'ai plein d'animaux, qu'on ait masse de ressources, cuir, viande, pommes de terre, des poulets, des moutons, bref, la totale quoi. Alright. Donc ça c'est good. Est-ce que j'ai assez de lingots? Ah, faudrait que je referme des lingots. Par contre, pour me faire un seau, c'est un seau que je me suis pas fait. Ok. Donc là, j'ai une belle prairie, là, par exemple. Ok, let's go. Let's go, let's go. Ah, il a le bouclier. Ah, c'est là, c'est un lingot de fer et ensuite le bois. Ok, je le saurai. Mais est-ce que je le fais maintenant? De toute façon, c'est plus intéressant de le faire maintenant, non? Donc, c'est un lingot de fer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de bois. J'ai mon bouclier. Voilà, comme ça je peux me protéger un petit peu. Ça peut aider un peu, c'est cool. Et on va retourner farmer. Je pense que ouais, on va retourner farmer parce que du coup il me faut du fer. Il me faut du fer en masse. Il me faut du fer en masse. Bah du coup YouTube, toi tu vas avoir une pause, on reviendra pour un prochain épisode, merci d'avoir regardé, des bisous, à très vite YouTube, et merci.